Bonjour à tous, on se retrouve en extérieur pour parler de ce vélo, mais plus généralement pour parler de gravel. De plus en plus, on parle de gravel. Franchement, au début, j'aurais dit il y a quelques années, peut-être c'est un effet de mode et ça va pas fonctionner. Mais là, il faut l'avouer, avec le nombre de magazines qui sortent, il vient encore de sortir un nouveau magazine qui s'appelle Planète Gravel. Et tous les mois, d'autres magazines sortent soit des hors-série, soit des trimestriels, des magazines spéciales gravel. Donc, c'est pour dire l'engouement que ça a, puisque ça rejoint en fait l'engouement aussi pour l'ultra-distance, tels que les TCR ou les Paris-Brest-Paris et autres, des trucs vraiment où les gens partent en bikepacking. Et c'est là qu'on rejoint ce type de vélo, le gravel. Le gravel est-il vraiment fait pour vous ou est-ce que vous devez laisser tomber et ne pas acheter ça? Si vous avez une pratique, vous faites du dirt, vous avez du BMX et vous faites des sauts, le gravel n'est pas fait pour vous. Si vous faites de l'enduro, des cross descentes en VTT, que vous voulez faire ça avec un gravel, ce n'est pas possible, ce n'est pas fait pour vous. Si vous avez une pratique toujours VTT, mais plutôt typée XC, sur les chemins plutôt roulants, avec pas trop de chemins cabossés, des marches et tout ça, le gravel est fait pour vous. Si vous faites du vélo taf, le gravel est aussi fait pour vous. Si vous faites de la route, c'est pareil, le gravel. Si vous voulez faire du bikepacking, partir en voyage avec ou en vacances pendant un ou deux jours ou plusieurs jours, le gravel est aussi fait pour vous parce que il est polyvalent, bien sûr dans une limite. Celui-ci, moi j'ai des pneus mixtes, mais il suffit d'avoir une deuxième paire de roues, de mettre des pneus en 25 ou en 28 et on peut très bien faire de la route sans problème. Bon, cette transmission ici qui est en double, et je dirais, et sera un petit peu limitée si vous voulez rouler très vite, c'est un double plateau, mais on va être avec du 30, si je dis pas de bêtises, c'est du 30 ou 32, 42. Donc ça reste plutôt du petit, on va pas pouvoir amener des montées dans des grandes vitesses, mais voilà, on a quelque chose de très polyvalent. Certains les sortent plutôt avec du monoplateau, si vous êtes plutôt débutant, je vous conseille plutôt le double, ça permet d'avoir un peu plus de plage, même si ceux qui sortent en mono derrière ont des très grandes cassettes, avec des très gros pignons qui peuvent monter en 40 ou en 42, voire plus. Mais là, voilà, là on monte un peu moins haut, derrière au niveau de la cassette, par contre on est en double, je trouve que c'est un petit peu mieux. Mais après ça, c'est affaire de choix, et chacun fera comme il voudra. Des gravels, il y avait même un grand choix de modèles. Il y en a vraiment à tous les prix. Vous pouvez tout aussi bien acheter comme celui-ci, qui est l'entrée de gamme de chez Canyon. C'est un modèle en alu qui vaut aux environs des 1600 euros. Sinon, vous trouverez d'autres marques qui font des vélos un peu plus accessibles. Et après, par contre, vous allez trouver même chez Canyon, dans d'autres marques qui font des vélos vraiment en carbone. Et là, vraiment, il va être très léger. Donc, ça va vraiment être très proche d'un vélo route. Il suffira d'y mettre, comme je disais tout à l'heure, une paire de pneus route. Et là, on aura un super vélo route. Et quand on voudra faire plutôt du chemin, hop, on pourra basculer. L'avantage, c'est qu'on peut monter des pneus relativement larges. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Ici, au niveau des bases et tout ça, là, je suis en 38 avec des pneus relativement mixtes. Ça me va très bien pour ce que je fais. Regardez, aujourd'hui, il fait chaud, il y a du vent. Au lieu d'aller rouler sur la route, je préfère passer dans les bois, dans des petits chemins, des petits singles comme ça, où il n'y a pas trop de caillasses qui sont plutôt roulants. Et franchement, je me fais vraiment plaisir. Sur ce type de vélo, on va aussi retrouver souvent, je dis bien dit souvent, c'est pas sur tous les modèles, des fixations un petit peu partout. Moi, sur l'arrière, sur celui-là, il y a deux fixations pour pouvoir venir mettre derrière un porte-bagages. Sur la fourche, sur ce modèle, il n'y a pas de fixation d'œillet, de rivet ici, au niveau de la fourche, mais certains en ont.
Par contre, il y a la possibilité ici en bas, dessous, de mettre un troisième porte-bidon. Voilà, si on part sur la journée, tout ça, faire des grosses sorties, c'est bien de pouvoir mettre trois bidons. Après, il y a d'autres solutions. Ici, j'ai une sacoche de cadre, on va pouvoir mettre devant. Aussi, ici, une sacoche. Ce qui est un peu spécifique au niveau des gravels, ça va être ces fameux cintres qui sont évasés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un guidon ici où la redescente est droite comme sur véloroute, là, on est plus évasé. Ça va permettre d'avoir meilleur accès, on est moins gêné, c'est plus facile de se tenir. Et je trouve qu'on a une bonne prise. Bon, là, le cintre est très très large sur celui-là. Bon, peut-être une taille en dessous m'aurait suffi. Enfin, bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez faire de la longue route, vous n'oublierez pas d'avoir une bonne selle. Là, c'est pareil, c'est à vous de choisir. Il faut en essayer plusieurs. Là, je suis monté en pédale automatique. Vous pouvez monter, il existe des pédales qui sont de côté plate et de l'autre côté automatique. Ça permet une polyvalence si vous faites du vélo taf et tout ça. Ou si vous en servez pour aller faire des courses. Comme je disais, pour faire du vélo taf, si derrière vous mettez un porte-bagages, vous pouvez mettre une sacoche de chaque côté. Au moins, vous pouvez faire suivre des affaires pour vous changer au boulot et tout ça. C'est drôlement intéressant. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que je pars pour une petite sortie. Je suis sur une route, par exemple, je me dis, tiens, il y a un chemin qui part à droite, je me demande où il va, je ne l'ai jamais pris. Ben, si je suis avec mon véloroute, ben, je suis bloqué. Tandis que là, il n'y a pas de problème, je sais que du moment où le chemin n'est pas trop cassant, je vais pouvoir l'emprunter. Vu qu'on a des pneus quand même plus larges, comme là c'est du 38, il y a vraiment une gaine de confort. Franchement, si vous faites des très longues distances, rouler avec du 25 sur les très longues distances, c'est vraiment déconseillé. Vaut mieux avoir des pneus plus larges, ça permet quand même plus de confort. Et on ira peut-être un petit peu moins vite, mais par contre, on s'économisera, on en prendra un peu moins et on tiendra mieux sur la distance. Donc, vaut mieux des fois partir un peu plus cool, avec un peu plus de confort et par contre, réussir à aller plus loin. Autre chose qui est important, si vous faites du chemin, et ce que je vous conseille vraiment, c'est d'être en tubeless. Là, ces pneus, je les ai convertis. Il faut que les jantes, par contre, là, renseignez-vous quand vous l'achetez, avoir des jantes qui soient convertibles, ou alors après, acheter une deuxième paire. Mais bon, si à tant que faire, le tubeless, c'est quand même du confort quand on fait du chemin. Ou même sur la route, moi sur mon vélo route, je suis en tubeless et franchement c'est quelque chose que je conseille. C'est drôlement pratique et on limite vraiment les crevaisons. Avoir moins de vitesse derrière au lieu d'avoir 10 ou 11 vitesses, on risque d'avoir du 8. En double plateau et ça crée un sacré étagement, c'est-à-dire qu'il y a une différence. Une fois la vitesse elle est trop dure, on en met une plus facile et là vraiment hop, on saute vraiment en mouline, puis on est un peu entre deux et c'est dommage, l'espacement entre le nombre de dents est un peu important. Donc essayez de trouver quelque chose avec un étagement un petit peu important. Alors je dis en 2x10 ou alors 1x10 ou 1x11 aussi, bon ça peut être un bon compromis. Autre chose, dès qu'on va monter un petit peu en gamme, on va avoir du frein, bon bien sûr du frein à disque, je vous conseille fortement le frein à disque. Et par contre ici, comme sur celui-là, on est avec de l'hydraulique. Ça permet d'avoir quand même un freinage, je trouve plus doux, plus doux mais plus agressif, enfin qui répond très très bien. Dès qu'on freine, ça a un mordant vraiment très bien. Le câble fonctionne bien aussi, mais je le trouve un peu moins bien, un peu en dessous. Par contre, si vous partez sur plusieurs jours, question de dépannage, si jamais vous cassez le câble de frein, c'est plus simple de le remplacer vous-même, quitte à faire suivre un câble
ou d'aller dans un magasin de sport type Decathlon Intersport, vous trouverez toujours un câble, c'est des câbles de frein standard. Par contre, si jamais vous venez avec une branche à accrocher le frein, la durite et que le liquide s'en va, ben là, il va falloir forcément passer chez un vélociste pour qu'il vous remplace la durite ou autre, ou qu'il vous fasse vraiment la réparation. Et là, ça risque d'être plus contraignant. Les premiers prix tournent aux environs 2000 euros, voire un peu moins de 1000 euros. Ou même, on peut tomber sur des promos, des fois, en achetant en fin de saison des modèles de l'année précédente. Renseignez-vous sur Internet ou allez voir votre vélociste. En conclusion, ce qui me plaît sur ce type de vélo, ça va être la polyvalence. On va pouvoir, comme je le disais, faire un petit peu de route, un petit peu de chemin, prendre du plaisir, faire du vélo taf, aller faire ses courses avec. J'espère que cette vidéo sur le gravel t'a plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un petit pouce. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.